Les pertes humaines demeurent difficiles à quantifier et même aujourd'hui représentent une grande controverse. Le gouvernement basque à l'époque évalue que le nombre de victimes s'élève à 1654, voire les décédés directs et les morts dans les hôpitaux, des fosses communes, le refuge antiaérien de la rue Andramari. Les révisionnistes comptent les victimes en 12 200, alors que de la caserne de Salamanque, il a dit qu'il ne savait rien du bombardement, la responsabilité est partagée entre ces gens, Richthofen, Bigon, Mola et finalement Franco. Il ne faut pas oublier que les Allemands et les Italiens étaient au service de Franco.